Hey les gens, c'est Colireb, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle, pardon, excusez-moi, parce que je suis en live commentary, et oui, mon premier live commentary. Donc j'espère que cela va vous plaire et j'espère que je vais réussir à me débrouiller. Donc aussi, comme vous pouvez le voir, je suis sur Call of Duty Ghost, donc oui, j'ai acheté Call of Duty Ghost enfin, longtemps après qu'il soit sorti, mais en tout cas je l'ai. Et j'espère que vous allez apprécier ma partie. J'espère que vous allez apprécier mon live commentary pendant que. Et j'espère que juste vous allez kiffer. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 6. Je voulais inaugurer mon premier live commentary et ma première partie Call of Duty Ghost en les assemblant. Mais malheureusement, j'ai eu un problème de chargement et d'ordinateur. Le chargement s'est arrêté en plein milieu de partie. Du coup, c'était juste horrible. Ça s'est arrêté. On devait être à 38 points des deux côtés. Et pour arriver jusqu'à 75, c'est vraiment horrible. Genre, s'arrêter en pleine partie, surtout en plus que je m'arrêtais en plein enregistrement. Du coup, c'était vraiment nul. Du coup, j'ai décidé de recommencer une autre partie. Sauf que, encore une fois, j'ai eu encore un problème d'enregistrement lors de ma deuxième partie. Et là, j'espère que pour la troisième fois, j'espère que je n'aurai pas de problème. En tout cas, là, je suis arrivé sur une partie qu'on vient juste de commencer. Et j'espère que je réussirai à vous sortir un bon gameplay. J'espère qu'on va gagner. J'espère que je vais réussir à avoir un ratio positif. Alors qu'en plus, dans la première partie que j'avais fait, j'ai réussi à sortir plutôt une bonne partie parce que j'étais premier de l'équipe. J'ai réussi à faire de plutôt beaux kills. J'ai réussi à faire une triplette. Bon, ça, on s'en fout. Mais bon, j'ai réussi à quand même à sortir. Et en plus on a réussi à gagner, du coup je trouve ça vraiment dommage. Hop, toi t'es mort. C'est cool ça. Toujours plaisir. Votre prochaine victime, d'accord. Alors oui, genre on avait gagné et tout ça. Alors, du coup j'avais vraiment les boules quand j'ai vu que j'ai eu vraiment les boules quand j'ai vu que j'ai ça n'avait pas enregistré. Ah, ça c'est moche, surtout quand en plus on est en pleine série. Et je commençais bien, mais bref, ça fait rien. Donc ouais, voilà, je m'excuse vraiment pour que je n'ai pas pu réussir à enregistrer. Donc là je fais hyper gaffe pour ne pas pour ne que ça ne se reproduise pas, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de se reproduire, du coup ça me va. Donc même alors je vous même sur cette partie, même si je fais une partie horrible, alors soit que je suis en négatif ou même que nous perdons lamentablement, je la mettrai quand même parce que j'accepte les défaites et j'accepte c'est surtout que c'est mon premier live commentary et je vais pas le gâcher pour même si on a fait une partie horrible. Même si pour vous vous dites ouais, nous on veut voir des bonnes parties, les parties de merde ça nous intéresse pas. Alors si ça là vous intéresse pas, ou si, alors tracez votre chemin. Mais si vous acceptez, voilà, que vous voulez voir mon premier live commentary, je vous invite à regarder. Et même si vous le clip vous en battez les couilles, en tout cas ça me fera quand même un grand plaisir que vous le regardez. Lâchez un petit pouce bleu quand même pour m'encourager par la suite, parce que j'ai vraiment galéré à réussir à faire ce live commentary. En plus avec le stress et tout ça, de pas savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire et tout ça, c'était vraiment un gros stress. Mais je vais tout faire pour réussir à vous sortir une bonne partie. Donc là, je suis toujours en 3-2, mais je trouve personne, c'est vraiment casse-couille. Donc oui, j'ai réussi à trouver un. J'ai enfin réussi à faire des. Enregistrer mes lives avec mes amis. Du coup, vous me verrez bientôt en live avec des amis. Alors, j'essaierai peut-être de me créer un compte Twitch pour que vous me voyez directement en live pendant que nous puissions pour que nous puissions jouer pendant des heures ensemble. Même si vous allez lui dire non, toi on ne veut pas, mais vous allez quand même devoir me supporter. Donc lui, les boules. Oh! Ah il me l'a mise. Hein. Voilà. Y a plus d'aspect. Oui, donc
Après, bon voilà, j'espère vous sortir aussi des bons gameplays sur Call of Duty Ghost. Soit en vous sortant, bah, bien sûr, comme vous savez, des KEM ou même des parties normaux, genre juste que je fais un gros massacre. Mais en tout cas, j'espère pouvoir vous sortir des KEM et c'est ça le principal. Donc n'espérez pas que je vous sorte des triple KEM, du double KEM. Je pense pas que je pourrais en sortir. J'essaierai. Mais c'est vraiment essayer parce que, comme vous le savez, j'ai un vrai niveau de merde. Et du coup, faut pas compter sur moi pour vous sortir un world record ou autre chose. Hein. Moi, tant que j'arrive à sortir une bonne partie, à vous faire rire et que vous appréciez mes vidéos, c'est le plus important. Sinon, alors par la suite, oui, je vous préviens juste à l'avance. Lors de mes lives, si vous m'entendez dire des gros mots, rager, ou même mes potes, c'est normal parce que moi et mes potes, surtout un de mes potes, nous sommes de gros rageux, donc c'est même peut-être un atout parce que ça va vous faire marrer parce que m'entendre rager, c'est un truc, entendre rager mes potes, c'est encore un autre truc et c'est même nous, on se fait rigoler en fait quand on rage. Alors, en fait, c'est pas trop sérieux quand on rage, mais c'est quand même genre. On le pense, hein, parce que à certains moments, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font. Mais bon. Bon, bah ça va, je me débrouille plutôt pas mal, je trouve, pour le live. Bon, on se fait juste démolir. Mais après, ça va, je vais essayer de rattraper tout ça. J'ai un chi. Ah, bon, bah d'accord. Deux fois par le même mec, ça commence à me casser les couilles, littéralement. Et oui, bon voilà, on va s'énerver. Et bon bah maintenant je vais vous donner un peu mon avis sur Call of Duty Ghost parce que j'ai déjà chez un ami, j'y avais déjà joué, c'était sur PS4. Ouh là là, je sais pas monter les fenêtres, gros mongol. Oui, j'y avais déjà joué à Call of Duty Ghost sur PS4. Et bah déjà premier avis, bah ça campe énormément parce que comme vous pouvez le savoir la vie sur Call of Duty elle est vraiment bah voilà la preuve. Ah non, ça c'était un sniper, d'accord. Bon, la vie sur Call of Duty est vraiment vraiment très basse et du coup bah on se ken facilement et du coup bah on voit la plupart des gens camper comme des gros porcs. C'est le mot qui les décrit bien, camper comme des gros porcs. Et et du coup, bah, c'est surtout que ce que je vois là, la plupart, ils campent. Et quand j'avais joué sur la console de mon pote, je m'étais dit, non, je vais jamais acheter ce jeu et ça campe beaucoup trop, c'est horrible, ça va me saouler tout ça. Bah, finalement, je l'ai quand même acheté. Parce que à force d'y jouer, finalement, bah, j'y ai pris du plaisir. J'y ai pris du plaisir et bah j'espère que je vous pourrai vous partager mon plaisir. Ah dommage, j'étais en série. Ça me saoule ça. Mais bon, voilà. Donc j'espère vous partager mon plaisir dans mes lives et tout ça, nos délires. Et c'est le principal. Donc toi tu meurs. Désolé, à certains moments si je ne parle pas, c'est parce que je suis concentré. Bon bah là pour l'instant je suis pas vraiment concentré, même si je fais une partie, mais bon, j'avais quand même à parler. Oui, alors ça campait beaucoup. Ensuite, je trouvais qu'il y avait certaines armes qui étaient vraiment qui étaient plus fortes que d'autres. Genre, par exemple, normalement, quand on est au corps à corps, quand t'as un fusil d'assaut et une mitraillette, souvent tu te dis c'est la mitraillette qui gagne. Et bah là, souvent ils ont amélioré les fusils d'assaut aussi. D'un côté, c'est bien parce que les fusils d'assaut n'étaient pas vraiment utilisés. Alors là, on peut les voir souvent utilisés, moi je trouve. Alors, et ouais, souvent utilisés. Ensuite, les snipers, c'est vrai, genre sur BO2, sur les autres Call of Duty, je me débrouillais plutôt pas mal au snipe. Mais là, j'ai vraiment du mal à les utiliser. Donc là, c'est sûr, je pourrais pas rager quand il y a quelqu'un qui me tue au snipe. Parce que là, c'est sûr, quand tu vois le snipe qu'il y a, bah tu. Oh, je bique comme un gros porc, désolé. Le snipe, moi je respecte quelqu'un quand il me tue au snipe parce que vraiment il se débrouille bien. Bon bah là, il n'y a pas à le respecter parce que il mitraille comme un gros porc. Bon bah.
Bon bah je vais continuer je pense parce que on s'est fait littéralement détruire mais je voudrais continuer à vous parler je pense mais non allez on va quand même s'arrêter donc j'espère que ce live vous aura plu. Je suis désolé si j'ai pas pu finir mais en tout cas je vais pas vous mettre une vidéo qui dure hyper longtemps parce que sinon vous allez pas aimer donc j'espère je vais vous sortir une vidéo dans pas longtemps et juste une petite parenthèse je suis pas une personne qui sort une vidéo tous les jours, donc je vous sortirai peut-être une vidéo tous les 5 jours. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas pour pour les lives, je vous ferai déjà plus longtemps, des lives beaucoup plus longtemps. Et juste, j'espère que vous allez kiffer. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce live, mon premier live. Je vous invite à lâcher un commentaire, à aimer ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à la partager. Allez, ciao, à plus.